Alléluia. 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 Amen. Asseyez-vous. Amen. Chers serviteurs, je sens réellement que le feu est là. Et vous avez été vraiment équipés par la parole, et je sens que vous êtes prêts pour aller, pour être envoyé sur le champ. Le champ est vaste, le champ est grand, et nous voulons multiplier les activités. Nous devons aller plus loin dans le travail pour que même d'ici 2 ans, 3 ans, pour que l'effectif même de serviteurs qui seront au prochain séminaire soit 3 fois ce qui est ici. Alléluia. Donc, vous avez une grande responsabilité. Le Seigneur vous envoie maintenant et il veut voir comment vous allez produire. Comment vous allez produire. Je vous le dis en vérité. Plus, nous, le Seigneur nous fait monter. Vous aussi, il vous fait monter par rapport à ce que vous produisez derrière. Alléluia. Par rapport à ce que vous produisez derrière. Donc, il n'y a plus de temps à perdre parce que les âmes attendent juste que des envoyés viennent leur parler de Jésus. Donc vous devez multiplier les activités. Alléluia. Vous devez multiplier les activités. Nous voulons voir le drapeau du réveil planté dans chaque quartier. Alléluia. Multipliez les cellules. Multipliez-les. Parce que nous allons occuper l'espace. Nous allons coloniser la terre pour Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons coloniser. Nous allons prendre possession de la terre pour Jésus-Christ. Nous allons instaurer le règne de Jésus-Christ sur la terre pour préparer l'église pour l'enlèvement. C'est cette mission que nous avons reçue. C'est pour ça que on n'acceptera pas les complaisances. On n'acceptera pas des situations qui vont nous faire perdre du temps. Alléluia. On ne veut pas accepter ça. Il faut que chacun se sente responsable. Alléluia. Tout ce qui s'est passé dans le séminaire, les enseignements, on va les convertir en audio. Et on va vous les envoyer pour que chacun réécoute. Réécoute pour mieux s'imprégner, pour mieux gérer chaque situation
qui va se présenter à lui. Et comme ça, vous serez plus responsable dans tout ce que vous ferez. Alléluia. Le Seigneur attend beaucoup de résultats. Le Seigneur attend de résultats. Le Seigneur attend de résultats. Donc, produisez de fruits à tous les niveaux. Alléluia. Et il n'y a pas quelque chose de nouveau que je vais dire, mais c'est pour mettre des points sur quelques i. Pour que, si cela arrive, que chacun sache que on a parlé et on a rappelé cela. Alléluia. Nous ne voulons pas tolérer les actes d'impudicité perpétrés par des serviteurs dans le réveil. Si quelqu'un est infecté, qu'il sache, même s'il le cache, même s'il aille dans le sous-sol pour aller le commettre et le cache, le Jésus-Christ en qui je crois va l'exposer. Alléluia. Et quand il sera pris, c'est out. On n'aura même pas le temps. On n'aura même pas le temps. On n'aura même pas le temps pour gérer, pour gérer, pour gérer. Parce que on a fait l'expérience que ceux qui mangent une fois, ils ont toujours envie de manger plusieurs fois. Alléluia. Si vous n'êtes pas encore marié, c'est pas un tabou. On a toujours dit ça. Si vous vous sentez prêt, surtout nous parlons des jeunes appelés qui ne sont pas encore mariés. Si vous vous sentez prêt pour le mariage, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu trouves une sœur, soit dans l'église ou soit dans une autre église, Jésus revient. Il ne faut pas courir pour aller l'attraper. Tu dois faire part au responsable qui est dans ta zone et qui va monter l'information vers nous pour recevoir des orientations. Désormais, nous voulons aussi nous impliquer dans tous les projets de mariage pour éviter l'impudicité. On veut s'impliquer à fond dans tous les projets de mariage, tous les cas de mariage là. On doit nous faire parvenir de comment ça a commencé. Parce que on ne veut pas qu'on nous fasse manger de n'importe quoi. Parce qu'il y a des cas où ils se connaissent déjà en cachette et ils veulent le faire valider. Non. Ceux qui se sont déjà connus là, on ne va pas célébrer ça à Jésus-Christ. Parce qu'on va mettre de l'ordre pour instaurer la crainte de Jésus-Christ dans ce réveil. Donc, ceux qui sont disposés pour s'engager dans un projet de mariage, ton cœur choisit une sœur, tu dois le faire remonter. Et tu dois être sûr. Tu dois être sûr. La même personne ne viendra pas nous présenter plusieurs sœurs. Ah, j'ai essayé elle, ça n'a pas marché. Je vais essayer ça là. Bon, peut-être ça va marcher. Non, ah, j'ai vu que l'autre est encore mieux.
On ne veut pas gérer ces désordres-là. Donc, quelqu'un qui veut s'engager, prendre son temps pour analyser. Alléluia! Parce que nous voulons aussi des foyers responsables. S'il y a des foyers à problème, ça va impacter négativement l'église. Alléluia! Si le Seigneur a permis que le réveil soit stable et que les choses avancent de façon normale, c'est parce que le Seigneur m'a fait aussi la grâce d'avoir un foyer stable. Alléluia! Donc, c'est ce modèle que nous voulons aussi copier, que nous voulons aussi intégrer dans le réveil. Celui qui gère mal son foyer ne peut pas gérer l'église du Seigneur. Donc, pour avoir un foyer stable, un foyer qui reflète l'image de l'église, il faut que ça respecte les normes. Alléluia! Il faut que ça respecte les normes. Donc, si tu respectes les conditions, tu remplis les conditions, tu vas monter l'information. Si tu ne sais pas comment, tu peux choisir tout ça. Ça arrive. Tu peux même demander responsable. Ils vont prier avec toi et aussi te donner des conseils. Voilà, pour que tu saches comment tu peux choisir. Il ne faut pas choisir selon la convoitise des yeux. Il ne faut pas choisir selon la chair. Il ne faut pas choisir parce que la chair sait bien chanter, sait bien prier. Non. Ah, je la vois à l'église, elle est toujours comme ça. Certainement celle-là, si je le pousse, mon foyer sera rempli de feu. Ne te trompe pas. Alléluia. Est-ce qu'elle porte des fruits? Est-ce qu'elle est née de nouveau? Est-ce qu'elle est née de nouveau? Ses caractères. Parce que vos serviteurs, je vous le dis en vérité, vous êtes des cibles de Jézabel. Vous êtes des cibles, des sirènes envoyées dans l'église. Donc, ne tombez pas dans les pièges de Jézabel. Alléluia. Ne tombez pas dans les pièges de Jézabel. C'est pour ça que il faut que votre mariage, votre projet de mariage se passe d'abord dans la prière. Et aussi avec discernement. Si vous voulez vous marier avec le regard, la beauté, vous allez tomber dans le piège de Jézabel. Je ne dis pas que les soeurs qui sont belles sont habitées de Jézabel. Non, je ne dis pas ça. La beauté, c'est une grâce que le Seigneur accorde. Mais il faut rechercher les fruits que la personne porte. Est-ce qu'elle est née de nouveau? Est-ce qu'elle est brisée? Est-ce qu'elle a de bons comportements? Tout ça là, c'est important pour vous. Ce qui va vous garantir un foyer stable. Mais si vous laissez des failles, l'ennemi va passer par là pour s'infiltrer. Et si votre foyer est troublé, l'église sera troublée. Si tu n'es pas en paix à la maison, tu ne peux pas envoyer cette paix sur l'église. Alléluia. Ce que tu vis dans ta maison là, ça impacte l'église, hein? Oui. Ce que tu vis dans ta maison, ça impacte aussi l'église. Donc il faut que tu pries pour avoir une femme qui va t'accompagner dans le ministère et non te combattre dans le ministère. Si tu épouses Jézabel,
quand toi tu tournes à droite, elle, elle dit non, on va tourner à gauche. Pour t'embrouiller. Et commencer par semer des choses dans ta tête. Et commencer par te dire non. Mon chéri, voilà. Vous t'as fait de dépouillement, là, il faut diminuer un peu. Non, il faut laisser les gens un peu en paix. Quand tu es un serviteur dans le réveil, et ta femme commence par te donner ces gens de conseils, c'est que c'est Jézabel qui est à la maison. C'est Jézabel qui est à la maison. Il va trouver le sujet de sanctification trop fort. Il va te demander de mettre un peu de l'eau, de diluer un peu. De diluer un peu, il faut diluer un peu. Que c'est trop dur. Quand tu commences par entendre ça, sache qu'il y a danger. Donc pour éviter d'amener le danger à la maison, il faut vraiment que tu pries. Alléluia. Il faut vraiment que tu pries. C'est pour ça que tous les mariages qui se passent, on passe les deux, quel que soit leur niveau de brisement, on les passe encore par la délivrance. Parce qu'on ne veut pas marier n'importe quoi. Donc, je vous mets ces avertissements. Je vous le dis, j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois, que j'ai un ami qui est serviteur de Dieu. Quand j'étais dans la voie large, on travaillait ensemble. Et qui est évangéliste, qui a beaucoup de zèle. Mais comme on était dans une église où le spirituel n'est pas trop fort, on fait les choses selon la chair. Il est tombé dans les bails d'une sœur très zélée de l'église, mais qui est spirituellement un danger. Et il s'est engagé avec elle. Il a payé la dot. Il a fait le mariage civil et on a fait sa bénédiction en grande pompe à l'église. Et se sont retrouvés dans le foyer. Dans la même semaine. Dans la même semaine. Il y a eu bagarre. Des gens qui n'étaient pas venus à la réception. Qui sont venus les saluer à la maison. C'est en bagarre, ils sont tombés. Dans la même semaine du mariage. C'est un bagarre. Ils sont tombés. Et ça a commencé comme ça. Le frère n'a plus jamais eu de paix. Sa femme ne va pas préparer. Préparer, c'est un problème. C'est un combat, je vous dis. Quand il me parlait de ça, j'ai eu pitié de lui. Il a souffert. Aucun respect. Rien. Le spirituel, zéro. Des gens ont fait rencontre sur rencontre, rencontre sur rencontre. Ça n'a rien donné. Ils ont passé 5 ans. Et c'est vers la fin. L'homme prie, l'homme jeûne, Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est un jour que la femme va lui dire, toi j'ai tout fait pour t'empêcher de continuer l'œuvre de Dieu. Et tu continues. Et tu t'entêtes. Maintenant, nous venons à un autre niveau. Si tu ne me tues pas, c'est moi qui vais te tuer. C'est en ce moment que ses yeux se sont ouverts là-dessus que c'est une sirène que j'ai épousée. Il a fait haut les mains. Il a dit, si c'est ça là, maintenant, au revoir. Il a pris dégoût de tout ce qu'on appelle femme pendant 5 ans. Il est resté encore dans célibat pendant 5 ans. Il ne veut plus rien entendre de femme. Parce qu'il a pris dégoût.
Il a souffert jusqu'à ce que son cœur a explosé. Et il est resté comme ça pendant plus de 5 ans. Et c'est l'Église qui l'a supplié, 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 jusqu'à ce qu'il a accepté de trouver une autre femme. Sinon, il a dit non. Affaire de femme là, c'est garé pour moi. C'est pour vous dire, si vous choisissez mal, votre ministère va s'éteindre. Et vous-même, vous serez éteint spirituellement. Et il va vous conduire en enfer. Alléluia. Le diable, Jézabel, vous êtes ses principaux cibles. Si on dit, ils envoient les sirènes dans les églises là. Les serviteurs sont les premiers cibles. Même ceux qui sont déjà mariés. Faites attention. Être marié, ce n'est pas fini. Il faut avoir une bonne complicité entre toi et ta femme. Ne cache pas des informations à ta femme. Et sois ouvert à ta femme. Et fais tout pour que ta femme puisse avoir confiance en toi. Et il faut que l'Église sache que tu as une femme derrière. Et évite d'aller sur des terrains seuls, sur certains terrains seuls. D'effectuer certaines visites seules. Il ne faut pas aller chez une sœur seule. Soit tu es accompagné de ta femme, soit tu es accompagné de nos serviteurs ou d'un frère. Il ne faut pas aller seul. Même si elle est mariée, oh, même si elle est célibataire, oh, même si elle est malade, il faut éviter d'aller seul. Il faut être toujours accompagné. Il y a un témoignage que j'ai suivi vers 2010. Voilà. Elle est une grande sirène. Et quand elle est rentrée dans l'église, sa mission, c'est le pasteur. C'est de finir avec lui. Et elle a tout fait pour y parvenir. Et comment? Un jour, elle a tout planifié. Elle n'est pas venue au culte. À la fin du culte, le pasteur a appelé. Ah, comment? Il dit, ah, homme de Dieu, je suis malade. Je suis malade. Je ne me sens pas bien. Pardon, viens prier pour moi à la maison. Le pasteur a pris sa moto, il a couru pour aller. Arrivé, la porte est légèrement ouverte. Elle a tapé. Ah, il faut entrer. Il faut entrer. Je suis dedans. Le pasteur est entré dans la chambre pour aller prier pour la sœur. Et c'est dans la chambre que la malade s'est mise nue. Prière est devenue praya. Je vous assure. Et c'est comme ça. Il a fait chuter le pasteur. Et il a mis la main sur l'église. Il a fini avec le pasteur. Nous ne voulons pas prendre ces scandales à Jésus revient. Je vous dis la vérité. Si vous tombez dedans, le premier qui tombe dedans, il va servir de leçon pour les autres. On va traiter son cas ici, à la télévision. Parce que quand tu es dans le réveil, tu portes l'image de Jésus revient. Tu portes le nom
Jésus revient. Donc tout ce que tu fais dans la rue là, des gens vont te voir et dire, ah, voici un pasteur de Jésus revient. Donc, si tu vas commettre un acte pour salir l'image de l'église, pour infecter, pour amener les païens à se moquer de notre Dieu, on va aider les païens à se moquer de toi. Pour dire, n'est pas notre Dieu qui a fait ça, mais c'est toi. Donc, faites attention, attention. Et tout va se passer très bien. Il ne faut pas être dans des acquaintances avec des sœurs de l'église. Alléluia. Même vos échanges, il faut que ça soit des paroles pures. Vous n'êtes pas des gens qui vont dire des propos impurs avec les sœurs. Non. Que tout ce qui sortira de votre bouche édifie. Et non des propos insensés. Et non des propos qui vont susciter des pensées impures dans la tête des sœurs. Les sujets de sexualité, on ne traite pas. Il faut être rempli de sagesse. Faut être rempli de sagesse, même dans vos prêches. Même dans vos prêches, faut savoir aborder ces sujets pour ne pas semer de l'impudicité dans la tête des brebis. Alléluia. Faites aussi en sorte que votre femme, ceux qui sont déjà mariés, travaillent avec vos femmes. Votre femme n'est pas directrice de l'église. Alléluia. Elle n'est pas directrice. Elle est aussi une brebis. Donc, les choses de l'église sont sacrées. Et vous devez leur enseigner à avoir du respect pour le ministère que le Seigneur vous a confié. Il faut qu'elle soit aussi un modèle de soumission, d'humilité dans l'église. Alléluia! D'humilité dans l'église. Même leur manière de parler, leur manière de parler avec les brebis. Il faut qu'on sente de l'amour, de la douceur, de l'humilité dans ça. Il faut que elles aient une bonne réputation. Parce que ce que le serviteur enseigne, on doit voir ça sur elle. C'est très important. Vos enfants aussi doivent être des modèles de ce que vous enseignez. De ce que vous enseignez. Alléluia. C'est très important. À côté de ça, il y a certains serviteurs qui ont encore des problèmes. L'homme de Dieu a déjà prêché sur tout ça. Mais c'est des points forts. C'est pour ça que je reviens sur ça. Pour que vous gardiez bien.
Lorsque ils ont problème, soit avec un collègue, avec un diacre, avec un collaborateur, rapidement, le lendemain, ils vont mettre ça sur statut. Ils vont mettre des versets bibliques pour envoyer coup de pied à l'autre. Pour indécer l'autre. Pour cogner l'autre en statut. En statut. Alors que statut, c'est comme un panneau publicitaire. Et quand vous lisez les statuts de certains, ou bien il va aller chercher les citations d'un philosophe, ou bien les citations d'un vulgaire, parce qu'il veut que, voilà, l'autre voit que c'est de toi que je parle. Mais ce n'est pas moi qui ai parlé. J'ai pris seulement, j'ai mis. On ne veut plus ça. Alléluia. On ne veut plus ça. Le dernier verset que vous avez lu tout à l'heure. Si ton frère a péché, si ton frère t'a fait mal, si ton frère t'a offensé, va le voir. Appelle-le. Il n'est pas un lion. Il n'est pas un chien. Appelle-le. Parle avec lui. Si tu as compris, gloire à Jésus. S'il ne t'a pas compris, cherche encore avec toi une deuxième personne. Et va aller le voir pour que vous puissiez le gagner. Si tu ne peux pas faire ça, ce n'est pas les statuts qui vont régler ça. Je vous le dis et je vous le répète. Il y a des statuts même, quand vous lisez, on ne sait même pas ça parle de quoi. Il sait dans son cœur qu'il est en train d'envoyer flèche à quelqu'un. Ce n'est pas à Jésus revient qu'on va accepter ça. Ce n'est pas à Jésus revient qu'on va accepter ça. Donc que chacun revoie ses comportements. Que chacun revoie ses comportements. Ces mauvaises semences qu'on a tolérées jusqu'à hier, à partir de maintenant, c'est fini. Parce que l'Église ne va pas être toujours au même niveau. On veut grandir maintenant. On veut grandir maintenant. Les premiers fruits de la saison, on dit non. Comme c'est les prémices, on a laissé aller. Et on vous appelle, on vous donne des conseils, essayez de cela. Mais maintenant, on veut montrer un peu plus de fermeté. Alléluia! Un peu plus de fermeté. Donc tout ce que vous faites, soyez responsable. Soyez responsable. Soyez responsable. Soyez responsable. Les églises sur lesquelles il y a plus de trois ministères, trois ministres, peut-être apôtres, pasteurs, évangélistes ou docteurs ou prophètes et tout ça. On ne vous a pas mis ensemble pour vous combattre entre vous-mêmes. Mais on vous a mis ensemble pour l'édification, pour le perfectionnement des saints. Donc vous n'êtes pas là pour vous donner des coups de poing. Non. Mais on vous a mis là pour que vous puissiez prendre soin du troupeau. Mais si maintenant, entre vous-même, ça se cogne, ça se tape, non. Je veux témoigner à ce sujet toute mon admiration pour l'église de Parakou. Ils ont montré un modèle de communion, de travail commun là.
Ils ont montré un bon exemple. Acclamez Jésus-Christ pour leur vie. Alléluia. Même s'il y a des problèmes entre eux, il ne permet pas que ça s'effritre. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais sous d'autres cieux, ah, si ce n'est pas eux qui accusent l'autre pour dire, ah, c'est toi qui mens tout l'argent. Ah, c'est toi qui fais ci, que ça. Non. On ne veut plus ça. Alléluia. On ne veut pas ça. Il faut que chacun soit concentré dans son rôle. Je suis sûr que si c'est à cause de l'argent, vous n'allez pas accepter cette, même l'appel, vous n'allez pas accepter. Beaucoup de vous gagnent gros dans des structures et ils sont à l'aise, mais ont abandonné pour venir dans cette mission. Dans cette mission qui est comme un désert. Donc, je ne sais pas pourquoi on va se cogner à cause des intérêts. On n'est pas là pour les intérêts. Mais nous sommes là pour l'intérêt d'un seul qui est Jésus-Christ. Et nous devons travailler pour préserver ses intérêts. Et tout ce qui va porter atteinte aux intérêts de Jésus-Christ, nous allons crier, arrête. Alléluia. Donc, c'est des points très importants que nous tenons à mettre sur les i. Alléluia. Nous savons que après ça, cette étape, le Seigneur nous permettra aussi de visiter maintenant les églises, les situations, les problèmes. On va mettre aussi de l'ordre dans les églises. Les brebis indélicates qui sont là pour troubler le troupeau. Susciter des querelles. Porter des fausses accusations, des diffamations, des calomnies et tout ça là au sein de l'église. Nous savons tous que ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Nous savons que ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Et nous allons aussi sionner. Pour sonner la trompette sur ces choses. Pour que ça s'arrête. Et ceux qui ne veulent pas arrêter, on va les mettre out. On ne veut pas perdre de temps. Parce que je sais que c'est un piège que l'ennemi tend dans les églises. Il crée les problèmes. Et on passe tout le temps pour gérer des problèmes. Au lieu de passer tout le temps pour aller chercher les brebis qui sont dehors. On ne va pas faire ça. Alléluia. Voilà. On veut passer plus de temps pour aller évangéliser. On veut passer plus de temps pour aller visiter les âmes qui sont en train d'être égarées, qui sont en train de mourir. On veut passer notre temps pour aller les chercher. On ne veut pas passer notre temps pour aller gérer les querelles dans l'église. Non, l'église n'est pas la cour de Chola. L'église, ce n'est pas un tribunal. Donc tout ça, si c'est la sanctification qui nous a unis, nous devons réellement montrer que nous travaillons dans la sanctification. Et nous devons montrer réellement les fruits de l'Esprit de Dieu en nous. C'est ça qui va démontrer que nous sommes réellement appelés de Christ. Alléluia. Il faut que les gens témoignent. Alléluia. Ce que les gens voient, ce qu'ils entendent sur la chaîne, et nous appellent pour dire, ah, vraiment j'ai suivi tel enseignement,
Indiquez-moi où se trouve votre église dans tel pays, dans telle localité. Si on les envoie, il faut qu'ils voient réellement la différence. Je vous dis la vérité. Il faut qu'ils sentent. Il faut qu'ils vivent cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Il faut qu'ils le vivent au travers de vous. Par votre accueil. Par votre manière de gérer le troupeau. Il veut voir la différence. Il veut voir la différence. Je vous dis la vérité. Il veut voir la différence. Donc c'est à vous de leur montrer la différence. Regardez. Ceux qui ont fait catholique, quand tu vas dans catholique, dans la chair là, je vous dis, tout est parfait. Dans la chair. Quand on prend la, dans la chair là, tout est parfait. Il y a la paix, il y a l'amour, il y a tout. Mais on sait que la racine, c'est Satan. Donc, celui qui veut quitter catholique pour venir dans la sainte doctrine, quand il vient, il faut qu'il sente que ça soit le tronc, que ça soit la racine, tout est correct. Le spirituel est bon et le physique aussi est bon pour le garder. Mais même si le spirituel est bon et que dans la chair, les choses ne sont pas normales, ils vont retourner. Ils vont retourner pour aller prier encore sa Vierge Marie. Parce que lui cherche la paix. Donc c'est à nous de leur apporter cette paix. La paix qui est en Jésus-Christ. C'est à nous de leur démontrer que nous sommes dans le vrai. Et ils pourront témoigner que effectivement, ça c'est le vrai. Et je vous dis aussi de faire attention à égarer une seule brebis du Seigneur. Vous, faites tout. Travaillez avec un cœur pur. Ne gardez rancune avec aucune brebis. Même si t'as insulté, même si t'as traité de tous les noms, tu apprends qu'il a un problème. Visite-le encore. Alléluia. Visite-le encore. Amène-le à reconnaître son tort. Et montre-lui que tu n'as aucun problème avec lui. Et n'oubliez pas que vous aussi, vous êtes des brebis pour le Seigneur. Nous sommes tous des brebis pour le Seigneur. Et malgré nos erreurs, malgré nos caprices, le Seigneur, est-ce qu'il nous a déjà rejetés? Il ne nous a jamais rejetés. Donc parfois, il permet aussi que nous aussi là, les caprices que nous manifestons envers lui, il veut aussi que nous aussi, nous subissons aussi un peu de ces caprices de la part des brebis qu'il a mis devant nous. Pour savoir comment ça fait mal. Mais tu dois accepter. Alléluia. Donc, c'est pour ça que vous devez vous revêtir vraiment des fruits de l'Esprit de Dieu. Sans ça, si vous n'avez pas les fruits de l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas. Moi, chaque matin, avant de clôturer la prière, je prie, Seigneur, sème la douceur dans mon cœur. Sème l'amour dans mon cœur. Sème la vérité dans mon cœur. Sème la compassion dans mon cœur. Sème la bonté dans mon cœur. Si tu as ces choses dans ton cœur, même pour parler, même pour répondre à une attaque, tu réponds avec sagesse.
Et même celui qui entend, il est édifié. Mais quand tu n'as pas le fruit, tout ce qui sortira de ta bouche, quand on l'entend même, ça sort comme une épée et ça blesse. Or, notre bouche, l'épée que ça va sortir, ce n'est pas pour blesser les brebis. Ce n'est pas pour tuer les brebis. Mais c'est pour blesser le monde des ténèbres. C'est pour égorger les démons. Alléluia. Mais tu ne peux pas utiliser cette âme pour blesser les brebis. Donc, c'est pour ça que ayez vraiment les fruits de l'esprit en vous. Dans vos caractères, dans vos attitudes, dans tout ce que vous faites. Il faut qu'on sente réellement que voilà des gens qui ont le fruit de l'Esprit de Dieu. Des gens qui sont à l'image de Jésus-Christ. Et comme ça, le Seigneur sera toujours fier de vous. Alléluia. On va prendre juste ce passage de Philippiens 2 avant de clôturer. Et commence le verset 1, Philippiens chapitre 1, le verset 27. Commence par là. Chapitre 1, le verset 27. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Seulement, oui, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Voilà. Afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entendis dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit. Alléluia. Amen. C'est ce que je tiens vraiment à partager avec vous. Que vous soyez loin, que vous soyez proche, que nous venions vous voir ou que nous ne venions pas. Il faut que tout ce que nous recevons de vous comme information, que ça soit réellement agréable. Nous voulons voir, nous voulons entendre de bonnes choses sur vous. Nous voulons voir comment vous persévérez dans l'œuvre du Seigneur. Nous voulons voir les fruits de votre zèle initier de bons projets pour le Seigneur. On veut voir comment vous excellez dans l'œuvre du Seigneur. On veut voir ça. Alléluia. Amen. Combattant d'une même âme. Oui. Pour la foi de l'évangile. Pour la foi de l'évangile. Amen. C'est l'appel que vous avez reçu. Combattre d'une même foi pour l'évangile. Alléluia. Amen. C'est l'appel que vous avez reçu. Si vous aimez Jésus, si ce nom vous dit quelque chose, c'est ce que vous êtes appelé à faire pour que son nom soit glorifié parmi les nations. Amen. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Voilà. Ce qui est pour eux une preuve de perdition. Mais je vous dis, le salut. Ne perdez pas votre temps aux attaques des adversaires. Alléluia. Amen. Ne perdez pas votre temps. Restez concentré. Travaillez avec un cœur pur. Et portez de fruits pour le Seigneur. Ne vous laissez pas décourager par les Tobitas, les Dathan, les Abiram, qui sont cachés dans l'église, qui ont pour mission de freiner l'avancement de l'œuvre du Seigneur
ne perdez pas votre temps avec eux. Alléluia. Amen. C'est pas que vous fermez les oreilles aux reproches. Non. Non. Vous n'êtes pas un demi-dieu. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas des demi-dieux. Vous n'êtes pas parfait. Travaillez en concertation. Moi, c'est l'un des secrets de ma réussite. Alléluia. Moi, j'aime recueillir les avis des autres. Même si j'ai dans mon cœur, je me suis déjà fixé un objectif, mais je ne rejette pas le conseil des autres. Parce que même Dieu va utiliser les autres, il va utiliser la bouche des autres pour t'aider, pour te porter encore loin. Mais si tu penses que c'est ce qui vient dans ta tête qui est juste, et que c'est ça que tu vas faire, tu vas échouer. Je vous dis, tu peux recevoir l'inspiration directement dans ton cœur. La voix du Seigneur peut te parler. Mais tu peux aussi consulter aussi les autres pour dire, ah, voici ce que j'ai reçu comme inspiration. Voici ce que j'ai reçu comme révélation. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que le Dieu qui t'a révélé la chose ne t'a pas donné tout au complet. Et il a donné une partie à l'autre qu'il va apporter pour que ça soit au complet. On vous a déjà enseigné le leadership. Alléluia! Donc, pour réussir, c'est un secret, je vous dis. Quand j'ai parlé de l'exemple de Parakou, c'est parce qu'ils ont compris ce secret-là. Et c'est pour ça que nous avons moins de problèmes à régler de leur côté. Ils s'entendent facilement. Donc vous aussi, si vous êtes deux, tu peux être le pasteur ou l'apôtre ou le quoi-quoi. Et il y a un autre qui est à côté de toi. Il peut être peut-être un diacre. Il peut même, écoutez, moi-même, je consulte même de simples frères sur des sujets. Alléluia. Et ça marche. Donc, il faut vraiment que vous travaillez dans un esprit de concertation. Et ça marche. Et aussi, lorsque tu entreprends dans un esprit de concertation, même si le résultat n'est pas totalement bon, tu ne seras même plus le seul à porter la responsabilité. Là, si on a échoué, c'est que nous avons échoué ensemble. Et c'est facile à se comprendre. Mais si c'est ta décision qui passe, et tu exerces ton droit de veto. Maintenant, quand tu vas cogner le mur, c'est en ce moment que ils vont rester derrière. Ils vont faire comme ça. Tu es un chef que les collaborateurs derrière te font comme ça. C'est dangereux pour toi. Or, si tu les appelles, si tu recueilles leur avis, si tu leur dis, ah, tel projet, on va aller travailler dans tel village, comment on va faire? Qui a une idée, comment on va faire, qui maîtrise un peu la zone, comment les gens seront à l'aise à travailler avec toi. Même à jeu, ils éprouvent une fierté à travailler avec toi. Mais si tu fais le gros chef et tu t'imposes, même si tu les payes, ils vont faire le travail malgré eux. Et ça ne donne pas de bons résultats. C'est pour ça que le Seigneur nous invite à l'esprit d'unité. L'esprit d'unité. L'esprit d'unité.
Tout le monde est important dans l'église. Que ça soit berger, que ça soit brebis. Nous sommes tous appelés à servir le Seigneur dans un même esprit. Alléluia. Amen. Dans un même esprit. Continue. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment. Un même sentiment. Un même amour. Un même amour. Une même âme. Une même âme. Une même pensée. Ça, c'est l'unité. Le Seigneur est en train de parler de l'unité. L'unité doit vous caractériser. Alléluia. Amen. L'unité doit vous caractériser. Ne faites rien par esprit de parti, mais faites tout par esprit d'unité. Et ça marche. Continue. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Voilà, c'est très important. Amen. Continue. Ayez en vous-même les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà. Voyez, Jésus-Christ qui est le chef des chefs, le maître des maîtres, supérieur des supérieurs. Mais regardez l'exemple qu'il nous a donné, le modèle qu'il représente pour nous en matière d'humilité. Comment il aime tellement s'humilier, même au milieu de ses disciples. Regardez, lorsqu'il s'est levé pour laver le pied de ses disciples, et que ça les a étonnés, alors que c'est lui qui devrait s'asseoir sur le trône et mettre ses pieds en l'air pour qu'on lave les pieds. Maintenant, c'est lui qui s'est humilié pour laver le pied de ses apôtres, pour montrer que c'est comme ça le chef doit se comporter. Le chef, ce n'est pas toujours celui qui se met en haut pour commander, mais celui qui montre aussi l'humilité, qui montre le bon exemple de comment on doit se comporter. Je vous dis, vos caractères impactent plus les autres que ce qui sort de votre bouche. Je vous dis, vos caractères impacterait plus l'église que ce que vous prêchez. Je vous dis la vérité. D'abord, quand vous prêchez, vous descendez là. Les brebis gardent peu, mais ils gardent beaucoup de vos caractères. Ils gardent beaucoup de vos comportements. Donc, travaillez beaucoup plus sur vos caractères que de beaucoup parler. Parce que tout le monde sait faire de bons discours. Si c'est les belles prédications, tout le monde peut le faire. Regardez, même le pape de Rome, quand il va se mettre ici pour prêcher là, vous pensez qu'il va dire quelque chose de mauvais? Non. Non. Il va parler de l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Il sait bien prêcher ça. Mais c'est dans les comportements, dans les actes, c'est dans ça. Donc vous aussi montrez. Un jour, je passais même à côté d'une mosquée. Quand j'entendais ce qui prêche à la mosquée, j'ai dit, mais là, non, ces gens sont forts dans la séduction. Quand tu entends les imams en train de prêcher dans les mosquées, je comprends pourquoi les gens sont entassés là. Ils prêchent des belles paroles. Si c'est les belles paroles là, ils prêchent ça. Mais dans les faits, dans les réalités spirituelles, c'est autre chose. Donc nous, pour faire la différence,
Par rapport aux religieux, on doit prêcher par nos caractères, par nos bons caractères, l'amour qui nous caractérise. Comment nous prenons à cœur la situation des brebis? Quand une brebis est dans une situation, dans une difficulté, comment vous vous concertez pour aller à son secours? Ça là, je vous dis, si vous instaurez ça, je vous dis, les brebis même là, ils vont, c'est eux-mêmes qui vont encore amener les âmes. Parce qu'ils seront fiers d'inviter d'autres brebis à venir adorer le Seigneur là où ils sont. Mais s'il n'y a pas ça, il y a certains même, à cause des situations dans certaines églises, ils me disent qu'ils sont un peu perturbés à amener, à parler de Jésus revient à d'autres âmes pour les amener là. Vous voyez? Parce que il va se dire en lui-même, quand je vais amener tel frère, telle soeur maintenant, ce que moi je suis en train de vivre, il viendra vivre la même chose et sa déception sera très grande. Vous imaginez ça? C'est pour ça que le Seigneur nous dit de tout faire pour ne pas être un obstacle à l'évangile. Faisons tout pour ne pas être un obstacle à l'évangile. Il faut que votre caractère amène d'autres âmes dans le troupeau. 6. Lequel existant en forme de Dieu, oui, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Continue. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu. Yes. Irrépréhensibles. Des serviteurs irrépréhensibles. Au milieu d'une génération perverse. Au milieu d'une génération perverse. Et corrompue. Et corrompue. Le Seigneur nous appelle à changer les choses dans cette génération par notre comportement, par nos caractères irrépréhensibles, irréprochables. Dans une conscience pure. Sinon, nous avons échoué. Je vous dis, sinon, nous avons échoué. Mais nous n'allons pas échouer au nom de Jésus. Amen. Donc, dès à présent, que chacun de vous soit revêtu de ces rudiments-là. Les rudiments du Saint-Esprit qui font de vous de serviteurs responsables, de serviteurs irréprochables, de serviteurs modèles pour cette génération. Des gens vont aller faire 15 ans, 20 ans pour obtenir des diplômes, PhD, doctorat en théologie, mais qui vont monter sur des jeunes filles de l'église, sur des jeunes sœurs de l'église, pour les déshonorer. Mais vous n'êtes pas appelés à cela.
Parce que votre appel est authentique. Vous avez reçu l'appel par le Saint-Esprit. Amen. Donc montrez que vous êtes différent. Montrez que vous connaissez le Dieu que vous prêchez. C'est ça le réveil. Le réveil, ce n'est pas un slogan. Mais le réveil, c'est pour apporter un changement dans cette génération. C'est pour apporter un changement dans le corps de Christ. Qui est pourri. Je dis bien pourri. Quand vous voyez ce que l'on fait aujourd'hui du nom de Jésus-Christ et vous portez ce nom en vous, ça doit vous faire révolter. Ça doit vous révolter. Et vous devez crier pour changer quelque chose. Si vous détenez un pouvoir de le faire, maintenant, vous avez reçu ce pouvoir. Le Saint-Esprit vous équipe et vous envoie pour changer les choses. Pour changer les choses. Quand on met pied dans une assemblée, Jésus revient. Il faut qu'on sente la présence du Saint-Esprit. Il faut qu'on sente la crainte de Dieu dans l'environnement. C'est ça le réveil. Vous devez ramener le cœur des brebis vers le Seigneur. C'est ça le réveil que nous prenons. C'est ça la mission que le Seigneur nous a confiée. Et vous verrez ce qui va se passer si la trompette ne sonne pas. Dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, si la trompette ne sonne pas, je vous dis, le monde entier va témoigner. Je vous dis la vérité. Il y a un serviteur, un frère qui m'a appelé hier, depuis Abidjan. Il me dit, évangéliste, il y a quelque chose en toi. Et je prie que le Seigneur fasse que le monde entier découvre ce qu'il a mis en toi. Si on a le Saint-Esprit et on t'écoute, on sent que celui-là, il connaît le Dieu qu'il prêche. Et c'est ce que nous allons te montrer. C'est ce que nous allons te montrer. Donc, chers serviteurs, c'est sur ces paroles d'encouragement, d'exhortation et de mise en garde que nous proclamons la fin de ce grand séminaire. Le réveil a lieu, le réveil a lieu, le réveil a lieu. Toutes les nations sont en train d'être connectées à Jésus. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Toutes les nations sont en train d'être connectées à Jésus-Christ. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Toutes les nations sont d'être connectées à Jésus-Christ. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu.
au Bénin. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Au Togo. Chauffez, 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 chauffez. Le réveil a lieu. Au Ghana. Chauffez, chauffez, tapez la main pour Jésus. Le réveil a lieu. Burkina Faso. Le réveil a lieu. En Côte d'Ivoire. Le réveil a lieu au Sénégal. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu au Cameroun. Chauffez, chauffez, chauffez. Le réveil a lieu au Gabon. Le réveil a lieu en Guinée. Le réveil a lieu au Congo. Le réveil a lieu en Haïti. Le réveil a lieu aux États-Unis. Le réveil a lieu en Europe. Toutes les nations sont en train d'être connectées à Jésus. Le réveil a lieu en Asie. Le réveil a lieu au Moyen-Orient. Le réveil a lieu sur toute la terre. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Toutes les nations sont déconnectées. Le réveil a lieu.
Nous sommes soldats, 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 les soldats de Jésus. Soldats, soldats, chauffez, chauffez, chauffez. Nous sommes soldats de Jésus-Christ. Combattant, alléluia, combattant, alléluia, combattant, nous sommes victorieux. Victorieux, nous sommes victorieux. Victorieux, les victorieux des Jésus. Victorieux. Les victorieux de Jésus. Combattant, alléluia. Alléluia. Nous sommes victorieux. Alléluia. Alléluia. Commando, nous sommes commando. Commando, les commandos de Dieu. Commando. Commando, commando, les commandos de Jésus. Combattant, alléluia, combattant, alléluia, combattant, nous sommes victorieux. Alléluia, alléluia. Guerriers, nous sommes guerriers, 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 les guerriers de Jésus. Guerriers, 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 les guerriers de Jésus-Christ. Combattant, alléluia, combattant, alléluia, combattant, nous sommes victorieux. Alléluia, alléluia, combattant, nous sommes triomphants, nous sommes triomphants, triomphants. Triomphant, les triomphants de Jésus. Triomphant, nous sommes triomphants, 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 les triomphants de Jésus. Combattant, alléluia, combattant, alléluia, combattant, nous sommes victorieux. Alléluia, alléluia, nous sommes victorieux, victorieux, les victorieux de Jésus, victorieux, nous sommes victorieux, 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 les victorieux de Jésus. Nous allons donner 2 minutes d'acclamation pour Jésus. Chase, 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 chase,